Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure sur Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic, une petite série qui vous plaît bien, donc ça fait plaisir, on va la continuer. Par contre, ça fait quelques temps déjà qu'on n'a pas joué, donc on va regarder un peu où on en était. Alors on avait des agents ici qui glandaient, on a ici une armée qui est en embuscade, très bien. Une armée plutôt potable, même s'il lui reste un peu des petites merdes. Ici on était en masse, mais visiblement il fallait ça pour tenir l'ordre public. Si on y travaillait, très bien. On a enfin de quoi transformer ces trucs-là, c'est cool. Ici, il y a moyen que ça parte en sucette assez vite, par contre, hein, avec un petit moins 6 là, c'est pas dingue. Ah oui, on avait réussi à s'infiltrer du côté de Scipio. Très bien, oui, on venait juste de la prendre, visiblement. Donc on a deux armées là qui sont plus très très dangereuses, on va dire. Ça serait intéressant de tomber dessus à lui, mais je crois que c'est encore plus ou moins un allié. Enfin un allié, quelqu'un qui nous aime, qui nous déteste pas trop en tout cas. Est-ce qu'il y aurait moyen de négocier un accès Au nom de militaire? l'État, bienvenue. Parlez comme un ami ou un ennemi. Non, il n'est pas motivé pour qu'on passe, donc tant pis, au pire on écrasera ses envies. Bon, sinon au niveau commerce, ça pourrait pas faire beaucoup mieux a priori. On va tout de suite aller bouger la turbulence divine avant de l'oublier. Surtout que visiblement elle a plus grand chose à faire. Je pense que là on va découvrir que du Carthage, hein. On va quand même faire le tour des fois que, mais ah, on peut pas aller par là. Quelle est notre limite ici? Ok, donc en fait on va devoir remonter, on dirait. Remonter vers la Sicile. Très bien, c'est quoi ce truc? Je connais pas ça. Akragas, je connais Akragas? Ah oui, je connais complètement Akragas. C'est là, d'accord. Ça doit être une faction rebelle quelconque, parce que je vois pas trop ce qu'ils foutent dans le coin. Et il nous déteste. Ok, très bien. Syracuse, malgré la mission diplomatique, nous déteste aussi, hein. Salutations Est-ce au qu'on nom pourrait toujours pas un d'Hermès. petit accord commercial? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut pas leur renvoyer une mission diplomatique? T'es revenu, toi. T'es revenu. Est-ce qu'on pourrait trouver un conjoint? Ça coûte quand même 1000, hein. Ça coûte 800, organiser des jeux. On s'en fout un peu, envoyer un émissaire. Non, c'est un peu de la merde. On pourrait renvoyer quelqu'un, essayer de draguer un peu Syracuse, on va le faire. C'est parti. Et ici, on va renforcer la promotion de notre femme. Femme opportuniste. Parfait. Et un galopeur, c'est pas très très utile. Ok, donc on a dépensé un petit peu de sous déjà pour commencer ce tour. Comme ça, c'est fait. Et on va devoir continuer de s'occuper des Taras. Donc ici, on peut pas se barrer tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce qu'on pourrait pas, ici à Scipio, construire un truc qui nous aiderait? Ici, on est en train de construire un temple. Toujours pas mal hein, un petit temple. D'autant que ça donne pas de bonheur. Le seul bâtiment qu'on peut faire qui fait du bonheur dans le coin, c'est un temple, donc on va en faire un. Ça aidera aussi à la culture en passant. Ici il va falloir qu'on se barre de cette province. Hein. On a toutes les villes là, il y a beaucoup trop de troupes partout, mais avec juste un petit plus 1, on peut pas tout de suite bouger. Ici. Ah, ici. Possibilités sont également assez réduites malheureusement. D'ailleurs, il va peut-être falloir plutôt qu'on construise dans le coin là. Si j'améliore ça, on passe à plus 8 d'ordre public. C'est pas mal. Plus de nourriture, on s'en fout un peu. Plus 20% de richesse provenant de l'agriculture, il y a moins que ça soit bien.
Ouais, parce que ça, ça coûte aussi une blinde et c'est pas si ouf. On va améliorer ce temple, tiens, avec nos sous. Ça va devenir le grenier de toute façon, ce talon, donc autant aller dans cette optique-là. Ce serait bien quand même de commencer à avancer une armée par là, là. Tant pis pour leur public, ça va baisser un petit peu, c'est pas trop grave. On va essayer de se débarrasser de ces cons. Ici, est-ce qu'il nous reste suffisamment de sous pour faire une action? On peut le feinter, ouais, c'est pas dingue. Ah, ça c'est plus chiant, ça. Elle est beaucoup trop chère, malheureusement. Alors, est-ce qu'on pourrait voler lui? Non. C'est trop cher. Un petit assassinat, peut-être? Oui, on pourrait, ça coûte... Non, ça coûte rien! Bon, on va le faire. Ça coûte absolument que dalle, on va s'emmerder. Hop là, parfait. Et du coup, on a plein de sous de nouveau. On va peut-être pouvoir voler. Ouais, 82% de chance que ça marche, c'est parfait. C'est cool ce mécanisme qui fait que quand ça réussit, on arrive à piquer du blé aux gens. Ça aide quand même bien, quoi. À financer... Ah, zut. On n'a pas réussi, mais au moins on a réussi à lui à récupérer nos sous. Ouais, donc c'est pas la peine, on n'a plus assez de chances de réussir. On va envoyer lui dans cette province là, là. Histoire d'aider un petit peu à l'ordre public. Allez, déploie-toi mec. Voilà, on monte à zéro, c'est parfait. Et donc ici, on peut lancer notre petit temple. Nickel. Cette armée, il y a quoi dedans? Donc je suis d'accord avec vous, il va vraiment falloir qu'on s'oriente doucement vers des archers à un moment. Parce qu'on commence à avoir des... Bah, des ennemis un petit peu énervants là-dessus, quoi. Donc on va commencer à prendre quelques petits archers à droite à gauche. En sachant qu'en plus cette armée est largement pourvue en tireurs déjà, donc on va essayer de répartir un petit peu les tireurs qui ont du niveau un peu à droite à gauche et dégager ceux qui n'ont pas d'expérience, genre les Versacrum là, qui coûtent en plus très cher. Ici on a pas mal de Versacrum aussi, on compte l'XP malheureusement. Allez, on passe le tour. On va assez facilement, je pense, réussir à cerner cela. Ah, surtout s'ils se mettent en pillage. Ils iront pas très très loin. Bon, ici on couvre avec notre armée en embuscade, mais à un moment ça, ça va pas jouer. Une nouvelle intrigue s'est faite. Alors, notre diplomate est revenu accompagné d'un érudit célèbre. Mais c'est parfait. Ouais, donc là on a la faveur de Carthage parce que on les a laissés brûler les navires pirates. Alors on a trouvé un agent étranger, voyons donc. Et un autre ici, très très bien. Alors on a une populace soucieuse ici, ouais forcément ça descend doucement. On a recruté des gens, on a construit plein de bâtiments. Nos revenus commencent à avoir un petit peu de mal avec tout ça. Alors Carthage, j'imagine que notre bonus, c'est ouais, non, ils sont à moins 71, c'est mort. Par contre, peut-être que Syracuse, ça va devenir tranquillement jouable. Au nom de l'amitié d'antan et de celle à venir, salutations. À présent, cherchons la sagesse ensemble. Si on met un peu d'argent sur la table, non, hein, toujours pas. Ils sont toujours puissants, hein, Syracuse. Mine de rien. Bon, moins que Carthage bien sûr, mais bon, d'un autre côté on a beaucoup plus d'intérêt à se rapprocher de Carthage vu qu'on a toujours plein d'événements avec eux, donc on va leur envoyer à eux une mission diplomatique. Et on va la renvoyer à Carthage, c'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a un espion qui est niveau 1, et ici on a un espion qui est niveau 2. Très très bien. Ah, et nous on a que des espions ici, d'accord.
peut tenter de la feinter, ouais, c'est pas dingue. Ce serait plus intéressant la rigueur sur elle, qui est peut-être moins bon niveau. Allez, on va tenter une petite feinte. Sinon, elle risque de détecter notre, notre armée cachée, là, c'est un peu chiant. Parfait, c'est réussi. Un petit niveau supplémentaire. Alors elle, faudrait vraiment qu'on la foute dans une armée par contre. Bah on la mettra peut-être dans cette armée là après. En quoi puis-je vous aider ? Toi, tu peux que feinter. À votre service, que me voulez-vous ? Ça va peut-être bien de s'en débarrasser de ce con. Allez, dégage. Ah non, c'est raté malheureusement. Pour mon échec. Que me voulez-vous ? Et puis en niveau 1. Allez, on va essayer de lui faire monter un peu de niveau avec une feinte. C'est raté, tant pis. Désolé. C'est pas très très grave. Donc ici, on va aller s'occuper d'eux. On va essayer de viser l'armée un peu plus. De quoi ? Attends, mais. D'où je peux pas me déplacer plus que ça. Ok, j'ai l'impression que cette armée-là m'a bloqué en fait. Bon bah tant pis, on va dire que c'est un petit bug de déplacement. Sauf que du coup l'ordre civil se casse la gueule grave à cause de leur connerie. Et là on n'est pas suffisamment à portée non plus malheureusement. C'est chier. Est-ce qu'on peut les arrêter? On peut les démoraliser, ouais. On peut essayer de buter leur archonte là. Alors on peut peut-être essayer d'assassiner ce mec parce qu'il est tout seul ce mec. Donc si on arrive à le tuer, ça fait une armée de moins. Bordel, c'est raté. Dieu d'en dessous, prenez mon échec. Très très bien. Du coup on peut pas faire grand chose d'autre pour l'instant. C'est bien triste. Ici l'ordre public du coup devrait se calmer une fois qu'on aura terminé ça, donc on va pas trop s'en inquiéter pour l'instant. Il y a lui qui est disponible. Sauf qu'ils vont être sur leur garde là. Ouais, voilà. Il est en garde. Il est en garde. Et lui pile les greniers. Allez, on va essayer de se débarrasser de lui. Parce que ça lui lamine ses sous aussi hein, de réussir à s'en débarrasser de ses agents. Ok, on a gagné un peu d'argent. On va essayer d'investir dans du blé. Plus de sel, plus de croissance, pas mal de richesses en plus. Ça coûte pas très cher en plus, on va prendre ce bâtiment. Et c'est parti! Ah oui, le bateau. Je l'ai oublié. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas très grave. Tiens, t'es qui toi? Ah oui, j'avais eu gagné un diplomate, je sais plus quand. Eh ben, tant pis. On s'en occupera plus tard. Là, ils ont l'air de s'enfuir du coup. Ce qui n'est pas si mal. Donc, on va essayer de draguer Carthage à fond pour devenir pote avec eux. Ça va être l'objectif. Ah, ici, une embuscade peut-être. Émeute à la capitale. Ils refont une émeute les autres là. Oui, on les accuse en public, ouais. Conséquence, votre diplomate vous a trahi. Ah merde. Alors, un champion émis a réussi à piéger votre agent, on a été découvert. Risque élevé de guerre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? 24% de risque de sécession. Ah bah ouais, parce que du coup ils sont pas du tout contents quoi. Autre facteur, moins 18, putain. Le drame, bah va falloir qu'on les drague un peu. Rendre un service. Non, on peut pas.
Non mais c'est bon, je vais pas le faire en fait. Répondre des rumeurs. Ouais, pas assez d'autorité. Donc, pourtant on a 6 d'autorité. Ah, mais là il y a quoi? 10, 8, 5, oui il faut avouer que c'est aussi des brutes un peu les mecs. Est-ce que si je le promo... Ouais, faudrait que je l'ai... Putain mais 2000 ça coûte. En même temps, il a bien mérité. Et lui aussi on va le promouvoir. Alors, on est redescendu à 15%, c'est déjà mieux. Parce que putain, moins 18 quoi, le tour de la malchance, c'est le drame. Puff. Donc ok, on a une surplus de population, on s'en fout. Là on a des vieux vassaux. On a découvert des agents, très très bien. Donc des traits, c'est les trucs que je viens de faire. Bon. Du coup, ici, on va continuer de les poursuivre. On va réessayer de tuer ce con. Histoire de se débarrasser d'une armée, toujours. Ok, c'est déjà ça, il est blessé. Ça devrait supprimer l'armée, je pense. Voilà, et qui avec elle. Et lui, il peut aller jusqu'où? Il peut aller jusque là, donc on va y aller. Donc s'il veut se barrer, il va être obligé d'aller par là, ce qui fait qu'on pourra le rattraper. Bien. Alors du coup, ça a ralenti un petit peu notre avancée de ce côté-là, puisqu'on est obligé de gérer avec deux armées, ne serait-ce que pour le cerner. Mais bon, au moins en attendant, on va faire en sorte que ça tienne niveau ordre public. Une richesse provenant de l'agriculture, c'est pas dingue. On va faire ça. Lui il continue de faire des trucs. Ici. On avait débloqué quoi du coup? Je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on a terminé comme tech? Bois de chauffe et construction. Bois de chauffe et construction, ok. Pourquoi on avait fait ça, je ne sais plus. Ah oui, parce qu'il nous fallait un truc de bronze, non? Maintenir des relations commerciales avec 4 factions. Maintenir un total de 6 unités suivant. Lancier s'abat en armure. Ah bah tiens, on a déjà les objectifs là, ok. Why not? Du coup... Ce serait pas un peu intéressant d'aller s'occuper un peu de l'armée quand même? 10% de tir par minute pour toutes les unités contrôlées grecques. Ouais, pourquoi pas. 6 de morale pour toutes les unités, plus de putain, c'est pas mal aussi. Ici on a déjà plutôt bien avancé. 40% de perte due à l'usure d'un siège, plus 2 de résistance au siège pour l'économie assiégée. Ouais. Emprunter une catapulte. Engin de siège, plus d'échelle, plus de tours de siège, et on pourra faire des béliers. C'est pas si mal. Après ce truc là est quand même bien, on a quoi ici là si on fait plus de reconstitution pour toutes les troupes. Ouais c'est pas mal hein. Après on a l'avantage de l'esclavage du coup, qui est quand même plutôt intéressant pour l'ordre public. Mais on a, ça fait longtemps qu'on fait du civil, donc on va faire un petit peu de militaire pour changer. Donc avec le blé qui nous reste, on peut pas faire grand chose. On va peut-être juste déployer un espion ici, histoire d'aider à ce que les gens ne fassent pas de conneries bien sûr. Et on va tranquillement se diriger ici de nouveau vers l'Italie. Je pense pas qu'on découvrira de nouvelles factions, mais sait-on jamais.
Ouais, ça c'est Syracuse. Du coup, j'imagine que Carthage ne nous aime pas. Ouais, voilà, ne nous aime pas plus. En plus, il nous déteste. Ah, il nous déteste parce qu'on a fait des missions diplomatiques en Syracuse, fait chier. Du coup, on aurait tout intérêt à continuer de draguer Syracuse en fait. Ouais. Ah, mais eux, ils nous aiment bien. Ah, nous aiment bien parce qu'on a fait une mission diplomatique à Carthage qui a échoué sans doute. Ouais, non, faut. Carthage, c'est mort, ils nous détestent beaucoup trop. Tant pis, on va essayer de draguer Syracuse un petit peu plus. On se fait quand même du blé, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai encore oublié ce mec là. De toute façon, on avait plus de sous, donc on risquait pas de faire grand chose. Je sais pas où je l'ai envoyé, mais en tout cas, je l'ai envoyé quelque part. Hein. Ah, le Taras. Ah, il essaie de se barrer par la mer, pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Une embuscade, parfait, on a réussi à choper les mecs. Donc on a quoi? Pas mal de cavalerie et de la merde. Nickel. Donc on va faire une petite embuscade sur les régions. Son espion n'a pas réussi à nous détecter, c'est parfait. Vu qu'il a beaucoup de cavalerie, je pense qu'il va falloir qu'on se contente de rester statique et de lui balancer tout ce qu'on a dans la tronche de loin. En tout cas jusqu'à ce qu'on ait engagé sa cavalerie. Alors... Donc ils sont où? Ok, ils sont là. On a des boules de feu à déployer, donc ici ça sert à rien. Non. Enfin, peut-être plutôt les foutre. Si je les mets par là. Je suis déjà pas sûr qu'elles vont tomber dans le bon sens. Donc on va mettre une unité comme ça pour les faire tomber dessus. Oh la vache, ils sont hyper nombreux. Hop. Hop. Projectile paré et en attente. Alors malheureusement, même en embuscade, le terrain est pas idéal. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir que je monte si je veux faire quoi que ce soit, donc je vais être beaucoup trop loin. Ce qui veut dire qu'on va plutôt s'engager comme ça. Infanterie de mêlée parée. Donc on va mettre les bretteurs devant. On va garder les lanciers sur les côtés. Voilà, les lanciers sur les côtés pour s'occuper de la cavalerie. Parce qu'il va y en avoir besoin. Alors ici on a quoi? On a plein de gens encore. Il y avait une unité de l'autre côté. Non, c'est bon, on n'y est plus. Cela dit, peut-être une petite unité planquée dans les forêts. Là, on va mettre nos unités bas de gamme planquées dans la forêt. Pour pouvoir sauter sur les mecs par derrière. On va également mettre deux frondeurs planqués dans la forêt. Ça nous permettra éventuellement de leur tirer dessus de derrière. Prêt pour vos ordres. Ce qui est toujours très intéressant, bien sûr. Infanterie lance projectile paré. Et c'est parti. Alors on va tout de suite mettre pause pour que nos mecs mettent le feu à ce machin. Pas oublier cette fois. Soldats, bravo pour l'embuscade. Maintenant. Réfléchir. Parfait, parfait, parfait. Bon, à part cette boule qui part un peu en sucette, on est bien. Donc ici il a de la cave, donc là on va charger cette cavalerie là. Ici on serait caché jusqu'où? Jusque là. Donc on va avancer jusque là. Voilà. Troupe de mêlée. Avancez.
général se fait attaquer. Le général se fait attaquer. Je serais curieux de savoir par qui. Ok, donc là, visiblement, la cave est plutôt partie en mode contourné. Ce qui veut dire qu'on va prélever une unité là qui va courir ici. Et ici, on va leur charger dans la tronche. Ça devrait les calmer assez vite. Nos unités cachées ont été découvertes. Ah merde, on a été découvert ici. Bon bah, tant qu'à être découvert, on va charger les frondeurs en haut de la colline. Il y a des lanciers qui foutent rien. Vous pointez. Ah, ici on a été chopé par des lanciers missiles à la con. Sa cave. Ok, bah sa cave a décidé de charger, charger mon. Visiblement. Enfin, c'est son infanterie, c'est son général, mais ça va revenir au même. En avant, donc ici on a réussi à choper des frondeurs qui devraient du coup pas faire leur malin très très longtemps. Ici on va décaler un petit peu nos unités. Le général, est-ce qu'il peut inspirer des gens? Par exemple ce guerrier lucanien là. Nos unités cachées ont été découvertes. Donc là visiblement il a dans l'idée de charger. Donc on va choper sa cavalerie. Il y a un bout de cavalerie qui se détache ici. Ah merde, il a réussi à. Fuck, j'ai pas vu ça. Il a réussi à choper nos frondeurs. Vous tirez dessus. Alors ici, eux font plus rien. Ils vont donc charger là-dessus. Je pense que les guerriers lucaniens sont tout à fait au niveau pour s'occuper de ça. Alors ici, petite erreur là pour le coup. Vous faites quoi? Vous tapez sur ces cons, très bien. Le général, pour l'instant il n'y a pas de besoin particulier, eux ils vont reculer. Donc là on a chopé leur mec face à la falaise, donc on va les broyer. Ici par contre, eux il faut qu'ils reculent. Il faut qu'ils se dégagent maintenant qu'il y a les troupes qui sont là. Il va nous faire une petite charge ici, rien de très très grave, je sais pas pourquoi mes tirailleurs sont là par contre. J'ai dû leur demander d'attaquer un truc trop loin. Bon ici on sert pas à grand chose, on peut peut-être essayer de mettre quelques petits javelots dans le dos de ces cons, mais ça sera pas ouf. Là on continue de leur tirer dessus, donc ici ils s'enfuient, c'est pas trop grave. De leur côté, il y a aussi du massacre. Ici, les rigueurs, les lanciers ont fait le taf. Hein. Enfin, les frondeurs ont servi à tirer la cavalerie. Ce qui est pas si mal. Allez, repliez-vous, les gars. Parfait. Ici, par contre. On a quoi? On a du lancier samnite, on a de l'infanterie samnite, ouais, faut reculer les gars. J'ai l'impression que c'est la même unité ça, non? Du pays, c'est... Ah non, c'est pas la même unité. Faut reculer. Ça doit être une qui s'est détachée là, ouais, voilà.
C'est ça. C'est celle-là, ok. Donc ici, on est suffisamment nombreux. Ici, il faut qu'on leur tombe dans le dos. Donc là, bon bah nos frondeurs ont été rendus un petit peu tristes. Mais rien de fou. Avec nos montagnards, qui ont quand même bien le niveau, on va courir. Enfin, qui court vite en tout cas. Ah putain, comment ils arrivent à nous échapper, mais de justesse quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ok, très bien. Tenez, frondeur, pourquoi ils bougent? Je ne sais pas. Ils sont toujours à portée là. Ok, là en fait il est en train de poursuivre nos... Bah on peut rien faire pour eux malheureusement. Au pire, ça nous fera une unité de frondeur à remplacer par des archers. Ici c'est fait. Donc ces deux unités là vont se diriger par là. Tiens bah... Même directement par ici, pourquoi pas. C'est perturbant de ne pas avoir le drapeau, du coup on les voit pas forcément. Ici il faut charger les gars. Les tirailleurs par contre c'était peut-être pas utile. Faire un petit ralliement. Ouais parce que là vous voyez je clique sur ce mec et il charge pour attaquer je sais pas qui. C'est un peu con. Ah ils sont relous hein. Faut avouer ils utilisent très très bien sa cavalerie hein. Je vais pas dire le contraire. Ici on arrive à faire céder les Toxotes même si ça en les poursuivant un peu. Là ça va céder par contre du coup. Il nous faut une unité de lancier là, très très rapidement, enfin très très rapidement. Rapidement on va dire. Parce qu'il y a cette cave qui va revenir. Donc elle va être ralentie par la forêt normalement. Nous de notre côté on va se tirer. Ok, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Préparez-vous à encaisser ce choc. Ah non, il s'enfuit avant. Ça c'est beau ça. Bon, eux ils peuvent s'arrêter aussi. Pour l'instant ça va. Qu'est-ce qui tient encore? Leur général tient. Je peux pas trop aller dans son dos malheureusement. Ici les mecs ont cédé. Ici visiblement la cavalerie a cédé. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'ils vont se mettre là. Eux ils vont se mettre juste devant. Et vous, vous allez vous foutre là. Comme ça si jamais ils décident de se remettre, on sera prêt. Ici pareil, on va se placer là pour pouvoir leur tirer quelques caillasses si jamais ils décident de se remettre. Et on va surveiller de ce côté là. Le général, revenez les gars. Surtout le général. Ici on va essayer de mettre un peu la pression. C'est du lancier sabant en armure donc ils sont très très costauds. C'est l'avantage. Pas forcément idéal pour taper sur du hoplite mais très costaud. Voilà parfait. Une victoire décisive. Ouais, il leur reste 40 types. Donc tout ça c'est mort. En gros, sa cave a réussi à s'enfuir et c'est tout quoi. Parfait. Mais il a très bien joué sa cavalerie, hein. Je dirais pas le contraire. Il a réussi à exploiter les trous que j'avais mis.
Alors, on va les relâcher. Comme ça, ils nous aimeront un peu mieux. Alors, on a un espion qui a gagné un niveau. Un politicien carthaginois. Ah non, mais présenté devant vous. On l'accuse d'avoir tué un officiel carthaginois. Cependant, il offre une rétribution monétaire conséquente si vous pouvez assurer sa sécurité. Mais non. On a vraiment que des événements pour être potes avec Carthage. Hein. Va falloir qu'on continue d'être potes avec eux. Ah non, faut qu'on devienne potes avec eux. Bon, allez, on va continuer de les draguer. Donc ici, ça se calme un petit peu. Elle, on va l'envoyer de nouveau à Carthage. Et alors là, je pourrais rendre un service, toujours pas. C'est quoi ça? Adopter. Bon. Pas très très intéressant. Toi, tu pourrais peut-être essayer de te marier. Voilà, pour ramener quelques personnes dans la famille. Plus de taux de recharge dans la faction, oui. Et elle a quoi? Un époux fidèle, plus de chances d'avoir des enfants, parfait. Et une épouse intelligente, bah ça valait le coup. Moins 2 de loyauté pour les autres parties, ouais bof. Bof bof bof. Ici on pourrait renforcer sa... Encore ma femme, mais bon... Ça serait compliqué du coup. Ça pourrait être compliqué. Faudrait surtout que lui gagne quelques niveaux en fait pour pouvoir avoir plus d'autorité que les autres gens de la faction. Donc ici on va profiter que cette unité, bah, on va peut-être essayer de la... Voilà. Et on va dissoudre ce qui reste pour commencer à prendre des archers à la place. Si on peut faire... On peut pas prendre d'archers dans cette province malheureusement. Il faudrait ça pour faire des archers? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des archers? Très bonne question. Qu'est-ce qui nous permet de faire des archers ici? Pas ça. Pas ça. Non. Le recrutement de cavalerie campagnienne native, non, c'est pas ça. Cavalerie italique. Qu'est-ce qui permet de faire des archers dans le coin? Alors attends, c'était ici qu'on avait recruté des archers. Hein. Porte une garnison, porte une garnison. Blablabla, le verrouille de recrutement c'est pas ça, porte une garnison, ça c'est des bateaux, porte une garnison, ça doit être un truc avant en fait. Non, c'est pas ça que je veux. Elle est où mon armée? Vous! Ah mais c'est des trucs qui sont spécifiques à Pouille en fait. D'accord. Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, alors déjà on va s'occuper d'eux. Oh, tu vas me dire qu'on peut pas. Oh, sérieux. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, ben, tant pis, on va y taper dessus. Voilà. Ah mais je suis bloqué dans l'eau maintenant. Est-ce que je peux sortir de l'eau si je fais ça? Ouais, voilà. Parce que ça commence à bien faire les conneries. On va se tirer de ce coin là. Ici, l'ordre public, ça part en sucette. Et on construit, c'est quoi ici? Un bois d'Athéna. On va dégager ce truc là. On fait de l'industrie ici. On va dégager ça. Quoique, ça c'est un centre-ville. Ah non, c'est commerce et industrie, donc ouais, non. Alors après, la question c'est ce que je pourrais faire d'autres industries dans le coin. Je ne sais pas, on verra ce qu'on peut faire ici. En attendant... Faire un bois de mamers.
Et on va commencer à se déplacer par là-bas parce qu'il me fatigue doucement là les mecs. Ici pareil, on a beaucoup trop de monde dans le coin, donc c'est parti. Le monsieur, il allait où? Il allait là. Bah écoute, tu vas faire demi-tour et tu vas commencer à aller par là-bas. Donc ici notre armée, elle peut du coup pas faire encore d'archer malheureusement. Elle va donc repartir en embuscade. Alors le type là, il est déployé on dirait. Ouais, il énerve la population. Ça enlève du moral hein, mine de rien. En quoi puis-je vous aider? Je dois faire mon devoir. J'ai essayé de l'annuler. Ah merde, c'est raté. Je suis blessé. On va donc essayer de le buter. Voilà, au moins il est blessé. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Une feinte. Ouais, c'est pas ouf à 20% de chance. Hein. Ah, mais t'as un niveau. Ouais. Tu vas prendre ça parce que tu as plus de chances de faire des embuscades comme ça. Et de toute façon, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites stratégies. Je crois que je cherche ce qui nous permet de recruter des archers avec cette faction parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de bâtiments que ça en fait qui permettent de le faire. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez la connaissance. Et dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.